En tout cas, on va parler des cervies, des nerfs sciatiques, hein, donc au cou. Là, on en parle dans quelques minutes avec Larry Stéphane. On va faire un petit truc. Ok. Alors, Larry Stéphane sera de la partie en deuxième partie, voilà. On va le recevoir puisque c'est le mardi santé. Et qui dit mardi santé dit... qu'on parle d'une certaine santé. Il y a des personnes qui ont aujourd'hui, oh j'ai mal à partir du socle du cou, ça fait mal ici, ça prend vers le bras, ça descend vers les jambes, le pied. Hein, Oline Konako, tu nous regardes, sciatique, hein, la main. Ça commence déjà par le pied, ça tire et on a mal, on a du mal à marcher. On te dit, mais c'est de quoi s'agit-il? Je souffre même de quoi? J'ai mal, ça fait très mal. Je n'arrive pas à marcher, j'arrive pas à me déplacer, à me mouvoir comme je veux. Ça fait mal, ça pique. On se pose la question. C'est le nerf sciatique, c'est la sciatique. On se pose beaucoup de questions et on vous donne plein d'astuces à faire pour pouvoir se soigner de ça. Bref, Larry Stéphane qui est là aujourd'hui, on va en parler de fond en comble. Lui, il est un kinésithérapeute et nutritionniste et je crois que lui fait face à ces malades-là tout le temps. C'est son quotidien d'ailleurs où il nous parle, son quotidien où il rencontre ces personnes avec des problèmes de sciatique où il doit rééduquer ces personnes. Bonjour Larry. Bonjour Larry Stéphane. Bonjour Larry. Ravi de vous rencontrer. Il faut dire que ça fait bail. J'ai même fait beaucoup d'efforts pour être là. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je suis ravi. Mais même Mireille, bonjour et Calvino et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Voilà. Bonjour. Alors, cette sciatique là aujourd'hui, la sciatique, le cou qui bloque. Voilà. Ça justement, bloque. On se lève un matin. C'est bloqué. On se dit c'est le torticolis. Voilà. Après on voit que ça descend. On se rend compte que hey, ça peut pas être le torticolis. Voilà. On va consulter. Après ça, avant même d'aller consulter, après c'est au niveau de la hanche. Oui. Ça tient, ça va vers le pied, ça tire vers le bas, ça fait très mal. Ok. C'est vrai que en parlant de la thématique, la première personne à qui j'ai pensé c'est vous. À moi. Bien évidemment, avec votre mal de la dernière fois. Ouais. Mais il faut dire que quand on parle de sciatique, du coup, en quoi appeler névralgie cervico-brandiale, c'est-à-dire sciatique du cou ou du bras, bien évidemment. Alors, en un mot, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'atteinte des fibres nerveuses, bien évidemment. Quand on parle de l'atteinte, ça peut être une inflammation, bien évidemment. Ça peut être une affection. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Tout à l'heure, de fois en comble, nous allons pouvoir développer cela. Mais il faut dire déjà à l'entrée en jeu que c'est vraiment une douleur. Hein? C'est une douleur vive qu'on ressent. Alors, qui n'a rien à y voir, bien évidemment. Et dans votre introduction, vous avez parlé, j'ai écouté le mot torticolis, qui n'a rien à y voir parce que quand on parle d'une torticolis, il s'agit bien évidemment des muscles au niveau du cou. Mais ici, il s'agit de nerfs. Névralgie, il s'agit de nerfs. Et quand on dit nerf, c'est quoi? C'est un condom, c'est-à-dire branchial, qui a pour rôle de transmettre, de transporter le message, c'est-à-dire au niveau de l'unité centrale, c'est-à-dire nerveuse, pour les organes, bien évidemment. Maintenant, celle qui descend de la tête, qui quitte du cou, de la tête, du cou et du bras, c'est de ça que nous parlons ce matin. Voilà. Et qui est concerné par cette maladie, bien c'est la névralgie, quoi là? Sciatique du cou, appelons ça en un seul mot sciatique du cou et du bras, bien évidemment. La personne, les gens qui sont concernés, tout le monde est concerné. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, il ne s'agit plus d'une pathologie des personnes âgées. On a toujours pensé ça. En réalité, on a souvent pensé qu'il n'y a que des vieux pour être malades. Aujourd'hui, les jeunes sont malades également. Mm-hmm. Il faut dire qu'on peut faire une névralgie même à partir de 30 ans. Et d'ailleurs, je suis en train de rééduquer un jeune qui a 14 ans en ce moment, qui a justement fait cela. Alors, il faut dire que beaucoup plus aussi les femmes sont concernées. Les femmes sont concernées avec la grossesse, bien évidemment. Vous savez qu'une femme enceinte est soumise à beaucoup de petits, on appelle ça des petits bobos, notamment
la lombalgie, tout ce qui affecte la colonne vertébrale, y compris le poids du bébé, y compris déjà le travail que la femme enceinte doit faire, le travail ménager et tout, tout. Donc, la femme est beaucoup plus concernée. Mais je ne voudrais pas dire que les hommes ne subissent pas, mais la femme est beaucoup plus exposée à ce qu'on appelle le sciatique du cou ou bien du bras. Parce que quand même, je fais mon cou comme ça, je sens mal un peu un bras là. Comment faites-vous savoir qu'on a un sciatique du cou? Je ne sais pas si j'ai mal dormi ou bien c'est comment. C'est vrai que si je l'explique mal, Maigresse va pouvoir me contredire, parce qu'elle a été sujet, ça. Si elle peut me permettre de le dire ainsi, parce que les manifestations dont elle faisait allusion la dernière fois, justement, il s'agissait de ça. Et merci, Dieu merci, parce qu'elle a dit qu'elle devait rencontrer un neurologue. Justement, parce que la personne indiquée, c'est un neurologue. Ça, il faut le dire, sincèrement. Alors, il s'agit d'une douleur que vous allez ressentir au niveau du cou. Vous avez cette difficulté à pouvoir vous mouvoir, c'est-à-dire tourner du cou, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Et quand la douleur, elle vient d'une manière inopinée, et ça commence à se ressentir au niveau de l'épaule. Et ça descend de l'épaule, ça va au niveau du bras, pour atteindre jusqu'au doigt. Alors, vous allez constater que quel qu'en soit le mouvement, c'est-à-dire tout mouvement, vous sentez mal. Vous tournez le bras à gauche, à droite, vous avez mal. Non, ma part, le cou également, quand vous tournez, vous avez même de la peine à pouvoir tourner. C'est-à-dire, quand je vous appelle, quelqu'un vous appelle, vous avez du mal à pouvoir tourner. Parce que là, c'est vraiment, c'est atrocement. Vous sentez mal, très mal même d'ailleurs. Voilà justement des signes précurseurs de ce qu'on appelle une sciatique du cou, du bras. Sciatique du cou, hein? Du cou et du bras. Et du bras, voilà. Parce que ça ne prend que le cou. Voilà, ça descend à l'épaule, l'avant-bras et jusqu'au doigt. C'est forcément. Et quand c'est donc, d'où vient-il donc quand ça gonfle là, les pieds commencent à gonfler. Voilà. Maintenant, il faut dire que quand on parle de sciatique, ça, il y a la partie les membres supérieurs et membres inférieurs. Maintenant, quand ça va au niveau des jambes, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Quand on parle de la moelle épinière, justement, on parle à ses nerfs. Alors, une fois qu'elle est encrasée, ça veut dire qu'il y a une pression là-dessus, due à certains facteurs, ça va justement affecter ce qu'on appelle le nerf sciatique. Et le nerf sciatique commence au niveau des coccyx, c'est-à-dire au niveau des fesses là, les reins, ceinture rénale, pour descendre derrière les pieds. Nous tous, nous avons ce qu'on appelle le nerf sciatique. Mais la pathologie elle-même s'appelle le sciatique. Hein? On ne dit pas que j'ai le nerf sciatique, non. C'est tout à fait normal, nous avons tous le nerf sciatique. Maintenant, quand on est malade, la maladie s'appelle sciatique. Voilà. Maintenant, elle est différente de la partie, c'est-à-dire inférieure et la partie inférieure et la partie supérieure du corps. Voilà. Maintenant, les causes sont presque pareilles. Parce que les causes sont dues, d'abord, première cause, l'hernie discale. Quand on parle de l'hernie en un mot, c'est-à-dire c'est un gonflement d'un organe qui ressort de la cavité naturelle, c'est-à-dire comme une chambre à air qui gonfle à gauche. Ceux qui ont des motos ou bien des voitures en savent quelque chose. Quand ça gonfle là, ça veut dire que ça va aller comprimer justement ce nerf-là. Quand il se sent comprimé, d'où ça crée une inflammation, d'où ça crée une douleur. Maintenant, l'autre cause, c'est ce qu'on appelle les arthroses. Les arthroses, c'est quoi en un seul mot? C'est cette partie blanchâtre qu'on trouve au niveau, à l'extrémité des os. On dit que c'est mangeable là. Alors, quand il y a l'usure, quand ça s'use, au fur et à mesure ça s'use, vous n'aurez plus et ça va frotter. Les articulations, les vertèbres vont, les disques vont frotter et là, ça crée des douleurs. Vif. Voilà. Que ça soit le nerf sciatique, que ça soit sciatique du bras, du cou, voilà de quoi il est question. C'est ça l'arthrose. Voilà. Voilà les causes. Maintenant, il y a d'autres causes qui est la mauvaise posture. C'est-à-dire que vous êtes devant votre ordinateur en longueur de journée, tête baissée ou encore. Et des gens aujourd'hui qui utilisent les smartphones, qui vont à la douche avec le téléphone, ils font 2 heures du temps sur un bidet avec le téléphone. Ça également, le cou souffre. Il faut dire que les articulations au niveau des vertèbres, au niveau du cou, ce qu'on appelle cervical, vont justement en partie, d'où ça également, ça fait partie des facteurs de risque, bien évidemment. Donc, il y a la mauvaise posture, il y a également les traumatismes. Vous pouvez faire un accident de route dans une voiture et que vous frappez la tête au volant de votre voiture. Sachez que le cou, justement, peut subir justement un traumatisme. D'où également, voilà, des différents facteurs. Voilà. Mais est-ce qu'on peut prévenir ça pour ne pas avoir ça? Oui, bien sûr. Toute pathologie peut se prévenir. La prévention existe. Maintenant, pour prévenir, justement, comme je le disais, si vous avez votre ordinateur que vous asseyez et que votre ordinateur est en dessous de vos pieds, n'est pas au niveau. C'est-à-dire,
ce qu'on appelle la partie supérieure du sternum, parce que la taille de l'ordinateur, quand vous êtes sur un bureau, c'est à ce niveau. Mais si c'est en dessous de votre nombril, dites-vous bien que la tête serait toujours baissée. Et là, le cou est beaucoup plus sollicité. Hein? Là également, donc ça, déjà, il faut prévenir par là. Les stations prolongées, ça également, c'est également... Vous connaissez les cyber où l'écran est en bas, comme ça, là. Voilà. En bas. Justement, ça, c'est un problème. Et maintenant, il y a des gens qui dorment dans le canapé jusqu'au matin. Ils se sentent à l'aise. Il y a beaucoup plus des hommes parce que quand la femme bien même les réveille, chérie, est-ce que tu ne vas pas dans la chambre? Ils s'énervent. Là, dormir comme ça sur le canapé, c'est un problème aussi pour le coup. Voilà. Il y a également les thés d'oreiller. Hein? Parfois, vous conseillez à quelqu'un de dormir avec l'autre. Il dit ça, c'est l'histoire des blancs. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Nous n'avons pas été habitués avec les thés d'oreiller. Alors, ah bon? Ça, on connaissait ça au village. Voilà. Voilà. Ça, alors, c'est... il ne faut pas dormir sans ça. Voilà, ça, c'est un problème. C'est la bon qualité du thé d'oreiller également, c'est un problème. Ça ne doit pas être très mou. Si c'est mou, ça veut dire que ça se plie en deux. La tête entre au milieu, ça, c'est un problème. Quand vous levez, vous aurez mal au niveau du cou. Donc, waouh. Voilà la prévention, c'est voilà autant de choses qu'il faut éviter. Thé d'oreiller doit être... Voilà. Solide. Éviter également les coups de tête ou encore, je peux dire, violents. C'est-à-dire, surtout, on le constate pour ceux qui font le sport dans les salles de gym, là. Parfois, on dit tourner la tête gauche, droite, et l'autre tourne fort là, gauche, droite. Et ça, c'est très dangereux parce que en tournant fort là, fortement, ça également, ça peut créer un traumatisme. Donc, il faut faire très attention quand on demande de tourner la tête. Ou encore, vous êtes sur une moto, on vous appelle. Ce n'est même pas vous qu'on appelle, certainement ça peut être le même prénom. En voulant tourner la tête, vous subissez. Voilà. Voilà des choses qu'il faut, des mesures. Il y a prendre. Des gens qui font souvent le sport, quand ils veulent souvent faire le sport au stade là tous les dimanches. Enfin, quand j'allais, voilà. Si depuis qu'ils ont construit le stade là, on ne passe même plus là-bas. Bon, je vois les gens qui tournent le cou, quand le coach dit que tourne le cou à gauche, à droite, retourne. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce que ça peut nous aider par rapport au sciatique du cou là? Non, dit que ça peut nous aider. Et sachez que quand vous êtes déjà sujet à une névralgie cervico-brachiale, faites très attention avec tout mouvement que vous devez entreprendre. Ça, c'est même interdit. Si on n'a pas encore eu. Oui, mais si vous n'avez pas encore eu, c'est tout à fait normal. Ces mouvements gauche-droite avec la tête, ces rotations-là, ça permet de muscler, puisque le muscle à ce niveau-là a besoin d'être entretenu. Et ça, c'est important de le faire. Voilà. Et s'il y a les complications? Oui, mais les complications d'une névralgie, d'une sciatique du cou, c'est la résistance au traitement. Vous allez voir, quand vous êtes sujet à ces sciatiques-là, il y a l'automédication qui commence. C'est chacun qui prescrit. C'est-à-dire, le somnolobicic, c'est un peu justement aller acheter des pommades où on demande à l'enfant, masse-moi le cou, ainsi de suite, même tire-moi le bras, ça c'est très dangereux. Voilà pourquoi, à long terme même d'ailleurs, on vous prescrit un collier pour immobiliser justement le cou. Il faut faire très attention. Et pour le bras, on vous conseille d'avoir une écharpe. Hein? Parce que plus le bras est tendu, plus ça tire. J'ai parlé tout à l'heure du nez. Ça tire et ça, c'est très dangereux. Maintenant, quand il y a une résistance, là, on va vous prescrire les antalgiques anti-inflammatoires, les myorelaxants. C'est ce que généralement les neurologues prescrivent. Il peut avoir justement une résistance, d'où l'issue, elle est chirurgicale. J'en connais des patients qui ont été opérés à cause du sciatique du bras ou du cou. Et qu'on a opéré. Wow. Voilà. Donc, il faudra faire très attention au point où le bras n'arrive même plus à. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus soulever le bras et c'est tout raide. Parce qu'il y a aussi la raideur. C'est raide, on ne peut pas le plier. L'avant-bras, on ne peut pas le plier. C'est d'où c'est l'opération. Et ça, il y en a. Donc, voilà pourquoi, quand vous êtes sujet à ça, évitez qu'on vous tire le bras. D'ailleurs, on ne tire pas le bras. On peut encore faire ce qu'on appelle effleurage. C'est-à-dire ce massage-là, on fait effleurage et on monte du bas vers le haut. Et non, on fait le contraire. On monte vers le haut. Et on applique la pommade tout simplement. Et comme je l'ai dit, il faut justement garder ça chaud. Ça, c'est important parce qu'il faut dire que le froid également, c'est un facteur. Avoir une sciatique et dormir avec ce qu'on appelle climatiseur et tout ça, ou bien ventilateur fixé sur le bras ou bien sur la jambe pour ceux qui ont le nez sciatique, qui ont le problème sciatique du pied, dites-vous bien que c'est contre-indiqué. La douleur va plus augmenter quand vous dormez avec la clim. Wow. Donc, il faudra éviter, il faudra être à chaud. Quand on fait un massage et tout, il faudra justement être à chaud. Ça mais permet. On demande de tremper les pieds. Oui, bien sûr. Dans le vinaigre de cidre. Oui. Il faut dire que cette recette ou encore ce secret de grand-mère ne marche pas avec tout le monde. Parce que j'ai vu des gens qui en ont utilisé des tonnes de bouteilles de vinaigre de cidre et qui finalement n'ont rien donné. Ils étaient donc dans l'obligation de se rendre à l'hôpital.
Parce qu'il faut dire que on peut le faire 2-3 jours. Quand la douleur ne se calme pas, il est mieux, il est souhaitable de se rendre à l'hôpital. Parce qu'il ne faut pas confondre les diagnostics. Oui, oui, ça c'est important. Parce que quand on parle du sciatique du bras, on peut le confondre avec une crise cardiaque. Vous savez, une crise cardiaque, quand il y a douleur de poitrine, ça se radie au niveau du bras. La raideur. Le bras gauche devient raide et vous avez très mal. Si vous ne connaissez pas les signes précurseurs et tout, vous pouvez confondre en disant que non, j'ai le nez. Pourtant, vous êtes en train de faire un début de crise cardiaque. Donc, il faudra faire très attention. L'erreur de diagnostic peut vraiment vous coûter la mort. Voilà pourquoi, quand, si vous avez déjà mal au cou, le bras, vous sentez que ça descend, rendez-vous à l'hôpital. C'est encore mieux. N'entreprenez pas les massages et tout. Mais moi, j'ai eu pendant plusieurs jours. Oui. Et même jusqu'à présent, ce n'est pas encore terminé. Oui. Tout mon côté gauche. Voilà. Qui a même les doigts. Les doigts, oui. Enflés. Oui. Les pieds enflés. Oui. Je lui dis les pieds, tu as pu les pieds. Les œdèmes, oui. C'était enflé. Et tu avais. Je ne pouvais pas faire ce mouvement. Oui. Et quand je fais le mouvement, tu sens. Comme ça fait mal. Comme une décharge. Une décharge. Voilà. Ici, de là à là. Oui, au niveau du côte, justement. Justement. Ça, de là à là, tu sens une décharge. Oui. Et le temps que ça passe après. Mais moi, je fais ceci. Je crois que tu m'as donné des mouvements de fermer la main. Oui. Et de l'ouvrir. Oui. J'ai commencé à le faire. Et puis, ce mouvement, je le faisais. Constamment. Constamment. Oui. Jusqu'à ce que la douleur a diminué, a diminué. Diminué. Oui. Elle n'a pas disparu totalement. Oui. Parce que même jusqu'à présent, il suffit que je fasse comme ceci et que je baisse. Quand je baisse comme ça, oui. J'ai mal. Justement. Justement. Ça tire. Ça tire. Voilà. Voilà, voilà pourquoi on dit, quand vous êtes sujet à ça, il faudrait prendre une écharpe ou encore, il y a des prothèses qu'on vend aujourd'hui justement pour le bras, pour pouvoir maintenir le bras, tout le bras entièrement. Mais surtout, c'est important de savoir que quand le cou, il y a déjà une douleur au niveau du cou, faites très attention. Au point où vous ne pouvez pas plier, hein, se tordre le cou ou encore des fourmillements ou des picotements, là c'est une névralgie. Parce que vous pouvez avoir un problème de méningite, justement sachez que quand vous avez la méningite, il y a une raideur aussi de la nuque qui se crée. Voilà. Donc, parce qu'il y a des batteries aussi qui peuvent causer des problèmes au niveau du cou et qui va se prolonger au niveau du bras. C'est pour ça que je dis, en réalité, quand vous avez déjà une douleur là et que vous sentez, il vaut mieux consulter. Ça, c'est important pour qu'on ne fasse pas une erreur de diagnostic, bien évidemment. Mais toujours est-il dit, ce qui calme le plus souvent, c'est des antalgiques. Vous prenez des antalgiques et des anti-inflammatoires sur, bien évidemment, sur le contrôle d'un spécialiste. Ça peut s'estomper dans 2 semaines. Mais il faut dire qu'on peut souffrir d'une névralgie et que ça va au-delà même de 6 mois. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la sciatique, bien évidemment, qui va au-delà même de 6 mois, au point où on les donne des repos maladie, c'est-à-dire des permissions, des congés maladie à l'entreprise pour un repos. Parce qu'il faut dire que le tout premier traitement de la sciatique, c'est le repos. C'est d'abord le repos. Okay. Il y a des mouvements que vous ne devrez même plus faire. C'est d'abord le repos pendant que vous prenez justement les médicaments qui seront prescrits. Et le troisième, c'est de rencontrer bien évidemment un physiothérapeute ou bien un orthopédiste ou encore un kiné qui va faire justement des petits étirements et des massages. On peut faire des massages froids ou chauds. Quand je dis froid, ça peut être au glaçon. Chaud maintenant, on peut se servir d'une bouillotte froid, avec, voilà, ça c'est bon. Froid fait plus mal. Oui, mais froid, ça fait plus mal quand on le fait, mais après, ça vous soulage parce que ça joue le rôle de la morphine, les glaçons. Hein. Oui, quand on le fait, vous dormez très bien. Mais sauf qu'il faut respecter la procédure. On n'immobilise pas les glaçons sur un endroit douloureux à plus de 20 minutes. Ça, c'est très dangereux parce que vous risquerez non seulement brûler, les glaçons brûlent la peau, non seulement brûler et l'engourdissement. Ça, c'est très dangereux. Et là, ça va jouer au niveau de la circulation, trouble circulaire. Bon. Est-ce que quand on a mal là comme ça, ça peut, ça peut aller à un AVC?
Non, non. La sciatique n'a rien à y voir. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas confondre une erreur de diagnostic. Parce que si c'est un problème de crise cardiaque, bien évidemment, et que vous sentez une partie en train de... Ça, justement, ça peut aller. Vous pouvez faire un AVC en ce moment-là. Voilà pourquoi il faut être très, très attentif. Écoutez votre corps, bien évidemment, pour pouvoir déceler en réalité de quoi il est question. Oui. Mais sciatique et AVC n'ont pas de rapport. Ça, il faut le dire. N'ont pas de rapport. La seule chose, c'est une paralysie qui est l'une des complications, c'est ça. Vous êtes dans l'incapacité de vous mouvoir, de vous déplacer et tout. On a besoin de vous porter. C'est ça la seule complication en ce qui concerne la sciatique. Voilà. Et ça se traite? Oui, le traitement, bien sûr. Mais le problème, c'est que la prise en charge doit être immédiate. Quand vous commencez à voir... non, ce matin, je n'ai pas pu me lever, je sens mal. Hein, ça commence au niveau des fesses, ça descend. Parce qu'il faut dire que la sciatique peut attaquer une jambe comme ça peut attaquer les deux. J'en connais que ça a pris les deux. Vraiment, on les porte seulement. Et ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi la prise en charge doit être immédiate. Quand vous commencez tôt, on peut vous récupérer. Mais si c'est tard, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que plus ça comprime le nez, plus c'est très dangereux. Voilà. Vraiment, c'est une paralysie qui... Surtout maintenant, il faut dire, quand on parle de traitement, il faudra connaître en réalité la cause. Est-ce que c'est un problème arthrosique? C'est un problème des arthroses? Voilà, la prise en charge, elle est différente. Si c'est un problème d'hernie discale, la prise en charge est également différente. Si c'est une luxation ou bien un traumatisme, la prise en charge également. Ça, c'est important de connaître la cause. C'est en fonction de la cause dont la prise en charge est... Elle est effective, voilà. Donc c'est important. Mais est-ce qu'un grand sportif peut avoir ça? Mais bien sûr, tout le monde peut avoir. On n'a jamais dit que quelqu'un qui fait du sport est dispensé des maladies. Parce que sinon, on ne verrait pas des grands sportifs mourir dans un stade. Je me dis qu'il y a les maladies. La maladie n'est pas. Il faut dire que la maladie n'est pas une personne. Quand on dit bien manger, bien dormir, bouger, ça ne voudrait pas autant dire que on ne peut pas tomber malade. Maintenant, s'il faut répondre à ça, est-ce que vous mangez vraiment bien? Grand sportif voulait dire quoi? Quand vous êtes grand sportif, c'est de bien manger. Est-ce que le sport également, vous respectez le repos qu'on vous donne? Si vous faites plus qu'il n'en faut, c'est que c'est très dangereux. Vous allez créer des déchirures, des fonds et tout. On a des joueurs qui, sur le stade, pendant les entraînements, font des accidents, font des déchirures. Certainement, c'est parce qu'il a beaucoup. Il y a certains sportifs qui n'attendent même pas le jour d'entraînement pour travailler. Ils travaillent plus que les collègues. Pourquoi? Parce qu'il veut briller. Et le jour d'entraînement, il travaille encore. Donc, il faut respecter certains nombres de choses. Donc, grand sportif peut tomber malade. Ça, c'est important. Il n'est pas épargné d'un problème sciatique, non. Wow. Sauf que le pourcentage de chance est beaucoup plus réduit que celui qui est sédentaire. C'est ce qu'il faut dire. Mais tout le monde doit tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Voilà. Et quand tu as la sciatique, du coup, là, on doit encore manger les tarots chaque jour avec... Non, toujours. avec la bière glacée à côté. Avec le vin de Saint-Louis. Voilà, il faut dire que quand on a un problème de nerfs, en réalité, on doit éviter l'alcool. On doit éviter l'alcool, pourquoi? Parce que l'alcool est acide. Comme les boissons gazeuses, les jus là. Bien sûr, parce que ça favorise davantage l'inflammation. Il faut adopter ce qu'on appelle un régime méditerranéen, qui est un régime anti-inflammatoire. Un régime anti-inflammatoire, ça veut dire que vous allez consommer que des aliments qui vont favoriser, c'est-à-dire qui vont pouvoir calmer la douleur. Comme le citron, basilic, le curcuma, les fruits, le ginger. Voilà, oui, le ginger aussi, ça c'est important. Et les légumes, voilà. Wow. Ça c'est alcalin et ça combat l'inflammation. Ça c'est important de le savoir. Beaucoup boire de l'eau. Il y a des gens qui le savent pas. Quand vous avez un problème sciatique, si vous buvez 2 litres d'eau, buvez maintenant 3 litres. Vous allez ressentir, surtout ceux qui ont au niveau justement des jambes. Quand vous buvez assez d'eau, ça c'est important, ça permet non seulement que vous éliminez vos urines et vous allez éliminer justement ces toxines qui sont beaucoup plus acides et qui favorisent davantage les douleurs. Voilà. Wow. Yes. Donc quand on parle aujourd'hui de le côté gauche là, toujours pour revenir à partir du cervical, cervicaux, puisque c'est, on parle de névralgie cervico-brachiale, donc ça veut dire que le nerf d'ici. Oui, oui.
Mais quand on sent une forte douleur oui. à ce niveau, oui. à l'intérieur, oui. on a l'impression que quelque chose va se couper. Oui. C'est quoi? C'est la manifestation de la maladie. Parce qu'il faut dire, vous allez constater, ça arrive souvent à certaines personnes, pendant qu'ils marchent, ils sentent comme si c'était un coup de poignard. Ils arrêtent, vous allez voir, ils arrêtent là, ils mettent la main là au niveau du cou là. Soit sous forme de décharge, soit sous forme de picotement. Voilà, ça c'est une névralgie. Ça vient attaquer le cerveau. Oui, 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 bien sûr. Ensuite, on a mal à la tête. Bien sûr. Le nerf, il y a le nerf sensitif ou moteur. Quand on dit sensitif, ça veut dire sensation. Bien sûr, donc ça doit attaquer le cerveau. Vous avez des céphalées. Il y a des gens, je voudrais aller même plus loin. Vous avez entendu des gens qui disent, pendant qu'ils font des rapports, des ébats, c'est-à-dire l'activité sexuelle, après avoir atteint l'orgasme, ils sentent mal. J'ai reçu un patient que j'ai rééduqué qui m'a dit, après, il ressent là comme si on l'avait frappé à la nuque là. Il ressent après avoir fait l'orgasme. Ça fait mal. Il se plie. Il se plie. Après, il devient fatigué. Tu as l'impression que il faut pas que tu bouges. Bouge, voilà. Ça bloque, ça fait mal. Mais c'est mal. Ça fait partie de la sciatique. C'est le nez. Et tu restes comme ça. Tu te dis, ok. Après, à un moment donné, ça se calme. Voilà. Et puis tu as l'impression. Et puis tu veux faire un mouvement. Tu veux juste faire. Tu veux tirer, que tu as l'impression que étant à l'intérieur là, ça va te calmer, voilà. Mais c'est dur. Non, hein, là. Le plus souvent quand ça arrive, c'est de rester calme, éviter tout mouvement qui pourrait justement aggraver la chose. C'est de rester calme, vous ressaisissez. Maintenant, si c'est au niveau du cou ou bien du bras, essayez d'appliquer un gant, c'est-à-dire froid, là-dessus. Ça, c'est important. Ça va justement calmer, ça va... Puisqu'il s'agit d'une inflammation, ça va justement se calmer. Et c'est ça l'idéal, avant que vous n'allez consulter, parce que c'est ce qu'on appelle les premiers gestes. Un peu glacé, justement, vous appliquez là et vous restez calme. Ou encore, si c'est en route, pendant que vous descendez, parce que ça dépend, elle est spontanée. Vous êtes même en train de descendre d'un véhicule, vous ressentez comme un choc. Vous gardez votre calme. Soit vous pouvez encore vous asseoir, chercher à vous asseoir, ça c'est important. On ne brutalise pas, c'est presque comme quelqu'un qui a des crampes. Vous voyez quelqu'un qui a des crampes, qui frappe le pied au sol, il se met à frapper. Non, on ne le fait pas. Ah, c'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Quand vous avez les crampes, quand vous avez les crampes, les gens qui compressent les ça serre le ça serre les ça coince le pied. Non. Si vous avez les crampes, la meilleure chose c'est que vous appelez l'enfant à la maison, apportez-moi un gant avec de l'eau. On applique là-dessus, ça je vous assure. Ou encore vous prenez deux verres d'eau, c'est fini. Ah bon? Ne frappez pas. Il y a des gens qui forcent. Ils se lèvent sur le lit. Et quand on fait ça, les conséquences, c'est quoi? Une déchirure. Voilà. J'ai amené une fille à la piscine. Pendant qu'elle nageait, elle a les crampes aux pieds. Oui. J'ai dit qu'elle tape son pied, elle ne parvenait pas. Moi, j'ai tapé. Après, c'est parti, non? Non. C'est juste une coïncidence. Ce n'est pas conseillé de frapper. On lui donne un verre d'eau, elle boit. Voilà, vous buvez deux verres d'eau, c'est bon. Je prends encore l'eau, je vais. Voilà. Voilà, ça c'est important. Ou bien vous plongez, vous restez dans l'eau. Ça c'est. Il n'y a pas l'eau, il y a seulement l'eau de la piscine. C'est ce qu'il faut faire. Franchement, on ne frappe pas. Mais donc, c'est ça, c'est les crampes là qui viennent souvent coincer les doigts. Oui, les doigts. Oui, qui n'arrivent plus à se fermer. Oui. Vous, ça reste là. Mm-hmm. Oui, là sûr. Si vous avez un seau d'eau à côté, plongez. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lever de leur lit pour aller à la douche. Ou encore, ils disent que non, ils se lèvent pour se tenir debout. Non. Je dis, voilà pourquoi dans votre chambre, il faut avoir toujours une bouteille d'eau au chevet du lit. La première des choses à faire, c'est de boire de l'eau. Et vous vous levez, vous demandez qu'on vous apporte un gant. Avec, ça, c'est l'idéal. Maintenant, quand c'est les deux jambes, si vous avez la force de pouvoir arriver à la douche, versez de l'eau sur vous. Parce qu'il faut dire que quand ces crampes-là viennent, ça peut repartir. Après quelques minutes, ça revient. Oui, vous êtes obligé de vous lever encore du lit. Voilà pourquoi je dis, vous prenez un gant et ça résout le problème. Maintenant, quand ça serait à répétition, vous consultez. Parce que les causes des crampes, il y en a plusieurs. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, la même chose avec ce qu'on appelle la sciatique, qui est cette douleur-là. C'est l'idéal, c'est de rester calme et de pouvoir appliquer un gant. Ça va vous soulager. Et le temps que vous puissiez consulter. La névralgie où, quand tu veux, tu vas, tu te courbes comme ceci. Oui. Et tu viens, tu sens mal ici au niveau de la hanche. Oui. Ça vient, ça prend aussi. Et la vieillesse. Oui. Vieillesse de quoi? Ça prend les pieds. Oui, ça descend. Ça s'arrête. Oui, ça peut s'arrêter même au genou.
parfois ça vient vous prendre. Ça va jusqu'à la cheville. Les mollets. Voilà les mollets, après, justement. C'est les doigts qui sont tendus. Tendus. Beaucoup plus le gros orteil. Oui. Voilà. Ça peut plus se plier. Oui. Ça, c'est ça, la sciatique. C'est la sciatique. C'est ça. La sciatique, ça. C'est ce que les gens disent, que j'ai le nez sciatique. Et les gens, on appelle le, j'ai le nez sciatique. C'est justement ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mauvaise posture. Il faut bouger, marcher. C'est surtout la marche. Ce qu'on recommande, c'est de faire la marche. Et donc faire les cardio et tout. Et oui. Le sport, alors, dans tout ça. Le sport va réguler ça. Oui, le sport va réguler, bien sûr. Le sport va réguler. Mais quel sport? Il faut éviter. Le sport, justement, c'est pour ça qu'il y a la marche. Ah, c'est en gym, en salle de gym. Mince, puis ça ramène les photos. Elle nous tirait les grosses côtes dans les choses. Elle faisait des choses tellement fortes. Non. Elle portait des et son coach l'a été en lui, mais elle faisait ses abdos. Elle portait les 100 kilos. Non, cela risque d'aggraver encore avec sa situation. Les gros boules là, les choses. 100 kilos par main. On dit le sport. Non, ça, ce genre de sport peut aggraver sa situation. Il s'agit, bien évidemment, de faire beaucoup plus la marche. Ça, c'est important. Voilà. Encore les gainages. D'ailleurs, elle s'y connaît. Elle est un grand sportif pour ça, elle s'y connaît. Mais il faut. Pouvoir... Karine Gano a dit que merde. Pourquoi on vient ici, les gens ne voient pas. Hey, tu étais fort. Moi, j'ai peur. Elle portait 100 kilos par mois. Mais avec le corps de tête tiré comme ça. Mais ça, c'est juste des cordes. On travaille les bras et tout ça. Pourquoi les mouvements. Non, doucement. Mais non. Viens ton corps là que tu n'es pas en Gano. Non. Elle te fait faire l'effort en Gano. Non, mais le faire. Larry, mais le fer que tu portes, c'était pour travailler le dos, puisque j'avais mal au dos. Oui. Moi, j'ai plus mal au dos. Oui, mais c'est bon. Je dis pas que le sport n'est pas bien, mais je dis maintenant, il faudra la fréquence. Il faut faire ça de façon douce. Douce, mais voilà. Ne pas devenir Francis Ngannou du jour au lendemain, qui donne un coup de poing, un coup de pied à quelqu'un, la personne tombe. Son coup de poing, c'est raison, mais c'est. Un sac de ciment. Il a renversé quelqu'un, le gars a laissé tomber, il a dit que l'entraînement, là, je ne suis plus dedans. mais c'est des mouvements qu'on doit faire. Donc, Larry, tu es kiné. Quels sont les mouvements qu'on doit faire pour une personne qui a névralgie cervico-brachiale? Oui, ça, si, ça il s'agit du coup, nous avons parlé tout à l'heure de rotation. Hein? Et la cervicale, voilà, on le fait tous les jours, sur le contrôle, bien sûr, d'un coach sportif. Ça, c'est conseillé maintenant. Maintenant, s'il s'agit, ceci, bien évidemment, et des massages, voilà, c'est ça, ce qu'il faut faire, la rotation. Après, on va à gauche, à droite, après, on va en haut, en bas. Après, on va en haut, en bas, voilà. En bas, très bien. Voilà, c'est des exercices qu'il faut régulièrement faire. Mmh. Ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui concerne, voilà, les membres. Inférieur, maintenant, il faudra faire ce qu'on appelle les cardio, mais les cardio rythmés. Ou encore, faire ce qu'on appelle généralement debout, assis. Ça, nous tous, nous en avons fait. Quoi, sur des chaises, voilà. C'est très ça. Bien. Les oui, squats. Les squash. Donc, on fait ça rythmé. Comme ceci. Mm-hmm. Mais regarde, casse-moi, ne déchire pas ton pantalon. Non, il ne va pas déchirer. Voilà. J'ai alors. Perdu, hein. Non, parce que c'est très moulant. C'est... Non, non. Voilà. Ça, c'est très bien ça, de faire. L'émission. Voilà. Et faire les étirements. On descend. On descend. On s'assoit. Avec le droit. Après, le dos droit. Le dos droit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je peux faire ça. Et puis tu te. Mais cela dit qu'elle ne peut pas faire. Oui. Comme ceci. Le dos est droit. Voilà. Je peux pas. Tu es là comme ça. Pourquoi tu peux. Et vous le faites. Je ne peux pas. Assis debout, vous revenez. Alors, on peut le faire comme ça une dizaine. Une dizaine de fois. Voilà. Pendant au moins 5 fréquences. Ça, c'est largement suffisant. Et maintenant, les abdos couchés où on soulève les jambes et tout, ça, c'est bon voilà. Pour la sciatique. Voilà. La sciatique. Voilà. Ah, abdos, on est à plat avant. On est à plat et on soulève. Ah ouais, voilà. On soulève. Comme un poisson, un et poisson. Et puis les pieds aussi, les pieds on soulève. Soulèvent, voilà. Et on lève. Comme si vous étiez dans l'eau. Exact. Ça, c'est bon. Ouais. Ça travaille, c'est comme très bien. Un poisson dans l'eau. Voilà. Ça, c'est des mouvements que je fais. Ça, c'est très bien. Pour le dos, c'est sûrement si pour vous qui le faites régulièrement. Vous allez combattre les problèmes de dos en général, lombalgie et tout ça. Et vous allez prévenir justement ce qu'on appelle la sciatique. Mm-hmm. Voilà. Tout le monde devrait le faire. On peut le faire sur son lit. Mm-hmm. Pas forcément dans une salle de jeu, on peut le faire sur son lit. On peut le faire sur le lit, vous soulevez les deux jambes, vous collez au mur. Tout le monde peut le faire, nous avons fait ça à la gym, à l'école. Oui, à l'école, voilà. Même à la maison, on voilà. Posait les mains au sol. Au sol. Et on posait les pieds sur le, sur mur. Le mur. Voilà. Ça, c'est, voilà autant de mouvements qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons Internet qui nous permet de pouvoir faire certains mouvements
à la maison. Mais il faut le dire, c'est une fréquence, c'est vraiment douce comme M. Lange l'a dit, il faut le faire. C'est pas. Non, maintenant, pas dans je la... fais des mouvements avec. J'ai téléchargé une application. Oui. Où tu fais des mouvements, où tu fais des abdos debout. Hein, oui. Où tu coinces les mains sur le mur. Voilà. Tu reviens, et tu as les pieds bien coincés derrière. Oui. Donc, parce que quand tu dois aller, tu vas tomber. Il faut bien que les pieds soient coincés et tu reviens. Ça n'aide rien. Oui, mais ça travaille. Voilà. Oui. Et quand tu vas faire le calcul après, tu te rends compte que en 7 minutes, tu as brûlé 43 calories. Ça, c'est prouvé. Bien sûr. Voilà, c'est prouvé. Et c'est des mouvements de 30 secondes seulement. Seulement, voilà. 30 secondes. Même ce que vous avez fait tout à l'heure, on peut le faire en moins d'une minute. Oui. Oui, on peut le faire en moins d'une minute. Parce qu'il y a ce mouvement du siège où tu restes... Voilà, et vous descendez. Tu restes comme ceci. Voilà. Et tu voilà, tu on monte. Et tu montes, et tu montes comme voilà. ceci. Ça, c'est vrai. Voilà, comme ça. Mais aime la force. C'est pas la force. C'est une forme d'action. Donc, tu... ouais. Tu vas comme ceci. Tu sens que non. C'était handballeuse. Moi aussi, j'étais capitaine de l'équipe. J'ai arrêté de faire le sport à cause des problèmes cardiaques. Ah bon, ouais. Oui, voilà, donc, c'est important de connaître ses antécédents. J'ai arrêté de faire le sport. Ça, c'est bon. J'ai dit que le sport, là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est les personnes qui sont sédentaires. Voilà. Qui sont sur les secrétaires, qui ont mal au dos, là. Oui, qui doivent. Voilà, ça, c'est conseillé. Ça, c'est très bien. Ça, c'est des mouvements qu'on fait même au bureau. Ayez les chaises lourdes. Ne faites pas comme ça. Après, la chaise, elle est roue, ça part. Et puis, vous vous retrouvez le lion au sol. Tu connais ce qu'on appelle ancien niveau. Capitaine, ouais, capitaine dans mon lycée. Voilà. Je crois que ceux qui nous regardent ce matin en ont largement profité, surtout avec même Mireille qui a fait des exercices qu'on devrait. Est-ce que la perte de poids peut aider aussi ça La sciatique. Oui, mais bien sûr. Quand vous avez l'excès de poids. Ça ne fait pas bon ménage avec l'asiatique. En principe, quand vous avez l'asiatique et que vous avez l'excès de poids, la première des choses qu'on vous demande, c'est de perdre du poids. Parce qu'il faut dire qu'il y a un conflit entre la colonne vertébrale, justement, et les fibres musculaires, les nerfs, qui comprennent. Donc, il faut perdre le poids. Et justement, et chaque mouvement, mais même ces mouvements, comme on l'a dit, ça fait brûler. Perdre le poids, c'est quoi? C'est perdre les calories. Il faut brûler les calories. Plus vous brûlez les calories, vous allez perdre le poids. Il n'y a pas de miracle à ça. C'est l'effet de bouger. Maintenant, il faudra que ça soit justement cadencé. Hein? Comme il y a des mouvements, en une minute, on peut le faire. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, voilà. Donc, c'est d'enchaîner des mouvements, justement. C'est juste une question de discipline. De discipline qui va vers les exercices les moins difficiles, vers les difficiles. Voilà comment il faut faire le sport. Ça, c'est important. Ne faites pas l'inverse. Vous faites l'inverse, vous allez abandonner. Parce que non seulement il y a le stress du sport, il y a des gens qui commencent, qui disent, mais cette histoire-là, c'est quoi? Et ils abandonnent. Pour finir, ils abandonnent. Non, on commence avec des choses plus simples. Et ça, c'est bon. Voilà pourquoi, pour commencer le sport, commencez d'abord à faire la marche. Si vous ne parvenez pas à faire déjà une marche, à plus forte raison, aller dans une salle de gym ou bien faire la danse. Vous n'allez pas parvenir. Mais Larry, il y a des personnes qui disent que la marche, là, ils marchent tous les jours. C'est un sport. Non. Il faut donc faire une différenciation entre la marche sportive et la marche quotidienne. Les petits pas. Mais voilà, c'est le mot dit bien, marche sportive. Maintenant, si vous devez quitter Bepando Omnisports pour aller travailler à Bonanjou, le fait de marcher et dire que vous faites le sport, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, la marche sportive, c'est codifié. C'est codifié parce qu'il y a un objectif. Il y a quelque chose qu'on atteint. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un circuit fermé. Je sors de chez moi, je vais à Bonandio, je fais un aller-retour, je retourne à la maison. Voilà, c'est ça le sport. C'est codifié. Mais si je sors de la maison pour aller travailler, l'objectif, c'est que j'atteins mon bureau, je vais travailler. Si je ne vais pas travailler, je ne vais pas gagner mon salaire. Voilà, c'est deux choses, c'est différent. Mais Larry, on remarque, moi j'ai une amie qui a des problèmes sciatiques. Oui. Elle a décidé qu'à la fin de la journée, elle porte sa tenue de sport. Oui, en rentrant. Pour rentrer à la maison. Oui. Elle dit qu'elle marche. Oui. Marcher là, c'est quel genre de marche? Je suis d'accord avec elle, mais je dis, ça ne suffit pas. Si elle doit s'arrêter à là, son problème, elle ne va jamais résoudre à fond son problème.
Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le font, qui disent qu'ils vont au travail avec la voiture, en rentrant, ils vont rentrer à pied. Mm. Beaucoup le font. Mais je dis, ça ne suffit pas. Mm. Ils ne diront pas qu'ils sont en train de faire le sport. Uh-huh. Franchement, il faut se détromper. Vous n'êtes pas en train de faire le sport. Vous êtes en train de bouger. Uh-huh. C'est une activité physique et non une activité sportive. Mm. Pour moi, il faudra déceler les deux. Voilà. Ça ne vous dispense pas d'aller dans une salle de gym, faire le sport, faire les cardio quand vous êtes en train de faire les exercices là. Parce que là, vous ne le faites pas. Tous les muscles ne sont pas sollicités. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et le cerveau même n'est pas sollicité parce que vous êtes en train de rentrer du travail. Mm-hmm. Donc, voilà le conseil qu'on peut donner à ces gens-là. C'est de faire le sport. Ça, c'est important. C'est de faire le sport. Et faire le sport, il faut que ça soit codifié. Et qu'en est-il du côté bavardage? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les entreprises, ils ont les problèmes de sciatique là. Oui. Mais il y a les collègues qui les font bavarder en longueur de journée. Eh, mes gars. Bavarder, problème ici. Tout le monde travaille, non? Oui, mais quand vous avez déjà les sciatiques, notamment la névralgie, il faut comprendre que vous avez déjà un problème de céphalée. Ça peut monter la tête, vous avez mal à la tête. Voilà. Il ne faut pas trop bavarder. Plus vous bavardez trop, plus le problème est grave. Voilà. Et souvent, alors, les caméramans font bavarder le problème. Grâce, hein? Pire encore si vous n'arrivez pas à dormir. Souvent, les caméramans font bavarder mes grâces. Hein? Quand les programmes que monsieur fait, je suis parti tourner le Vox Pop, le Republic reportage. Il dit que non, j'étais d'abord, je vais partir. Mes grâces bavardent. Non, il faudra. Je pense que prochainement, il va pouvoir. Aussi. Non, ce n'est pas que ça crée, ce n'est pas un facteur. Ça peut. Ça, ce n'est pas ce qu'on dit, Calvino. Il ne faudra pas dire que le fait qu'elle bavarde va avoir la sciatique. Pour l'aider un peu. Si elle est déjà sujet, parce qu'il faut dire qu'elle est déjà. Elle a un facteur de risque. Mm-hmm. Mais grâce à Dieu, un facteur de risque. Donc, elle devrait résolument éviter de trop bavarder et éviter et de bien dormir. Voilà le conseil qu'on peut lui donner. Je n'ai plus besoin de lui dire de faire le sport parce qu'elle s'y connaît. Ça, il faut le dire. Elle est grande sportive, elle s'y connaît. Maintenant, le conseil qu'on peut donner à Mega, c'est qu'il faudra modérer. Le fait dans la douceur, comme a dit Mère Solange, c'est douce. Ce n'est pas le muscle. Ce n'est pas la force. Donc, c'est douce. Maintenant, le reste des choses, elle sera corrigée, c'est tout. Voilà. Et pour tous ceux qui nous regardent, donc, une bonne alimentation. Quoi? Mmh. On dit souvent que quoi? C'est cas quoi? Cas pratique. Cas pratique, c'est mes grâces ce matin. C'est mes grâces ce matin. Parce que tu nous as fait de le sport. On a ce matin été. Et votre cas pratique, tout quand tu fais ça, aider tous ceux qui nous regardent ce matin. Moi, je ne peux pas faire. Si, Solange. Je ne peux pas. Tu peux. Non, mais. Le moment va venir, va essayer, mais je ne peux pas là. Non, à la maison. Sur le lit même. Sur le lit, elle peut faire. J'ai la corde. Voilà, oui, mais elle a. Oui, Étienne. Voilà. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est bon. Ça fait, ça travaille. Ça travaille. Énormément même, d'ailleurs. Voilà, ça travaille. Alors, Larry Stéphane, qu'est-ce qu'on va donc retenir aujourd'hui? Voilà, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que nous parlons ce matin de cervico-brachial, voilà, névralgie. Mm-hmm. Bien évidemment, ce qu'on appelle la sciatique du cou, du bras, bien évidemment. Et nous disons à l'entrée d'un jeu, cette douleur, à chaque fois que vous aurez ces manifestations, avec les symptômes dont nous avons énuméré là, raideur de la nuque, torticolis, il faut consulter. Vraiment, le conseil que je puis donner, c'est de consulter parce que c'est une pathologie assez sérieuse. D'où, si vous vous amusez à faire l'automédication, vous risquerez de vous retrouver chez un chirurgien. Parce qu'on risque de vous opérer le bras ou encore la jambe, s'il s'agit de la sciatique au niveau d'un membre inférieur. Donc, le conseil, c'est de consulter. Parlant justement d'intervention chirurgicale, un téléspectateur me dit, est-ce que l'intervention chirurgicale résout efficacement la guérison d'une sciatique? Oui, résout, on ne pourra pas dire à 100%. Maintenant, ça va dépendre si cela a été bien fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été opérés deux fois d'hernie discale, trois fois même d'ailleurs. Mais alors, je ne pourrais pas dire que résout à 100%. Maintenant, ça va dépendre non seulement du praticien, c'est-à-dire du spécialiste, de deux maintenant, ça va dépendre de votre mode de vie après. Parce qu'il faut dire que quand vous avez été opéré, faites très attention, votre mode de vie doit changer. Vous devez modifier parce que ça peut récidiver. Voilà. Une autre téléspectatrice qui écrit en disant quel spécialiste doit-on consulter dans ce cas? Il faut consulter un médecin spécialisé d'abord dans les douleurs parce qu'on va c'est-à-dire dans les douleurs, c'est-à-dire c'est celui-là qui vous a, il faut
Non, un médecin spécialisé dans les douleurs n'est pas un traumatologue. Il y a des médecins spécialisés dans les douleurs. Ce sont eux qui administrent la morphine pour ceux qui ont des douleurs. Assez. Maintenant, de deux, il faut consulter un neurologue. Quand on parle de névralgie, c'est un neurologue. Ou bien de sciatique, c'est un neurologue. Maintenant, quand c'est un problème rhumatismal, hernie discale, il faut consulter les traumatologues ou encore un rhumatologue. Voilà les différents spécialistes. Mais toujours est-il dit, c'est un médecin généraliste qui vous refait vers un spécialiste. Maintenant, quand vous n'êtes pas satisfait après une consultation chez un médecin généraliste, vous-même, vous pouvez prendre cette décision d'aller rencontrer un spécialiste, un neurologue ou encore un traumatologue. Voilà. Un médecin orthopédiste aussi, chirurgien également, est qualifié pour ce genre de problème. En tout cas, merci beaucoup Larry, Stéphane, ce matin. On a passé un bon moment, on parlait santé, mais de façon très light. Donc, c'était frais et j'espère que vous avez apprécié ce moment. On est à la fin de l'émission, on va se retrouver demain, mercredi. On aura encore rendez-vous avec nos coachs hein, qui nous apporteront une connaissance. Voilà, une connaissance comme tous les mercredis. On vous invite à être là demain, entre 10h et 12h. Les programmes sur STV se poursuivent, regardez et surtout faites-nous confiance, hein, votre fidélité nous honore. Calvino, Mireille Grasse, on se dit à demain. Oui, mais grâce. À demain pour ceux qui nous ont regardés et appliqué bien les mouvements de sport, les mouvements. Il veut reprendre le sport, j'ai trop blagué avec. Non, pratiquez le sport. Non, je tape ma santé maintenant tous les dimanches. Il veut le prendre. Fais l'église d'abord. Après, pas maintenant, tape le. Voilà. Portez-vous. Allez, ciao. Bien. Au revoir. Il y a toutes les églises dehors, mais. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Toutes les églises. We'll be right back.